Salut à tous les amis, on espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit vlog. Les amis, il y a Kam Kam qui est derrière. On va partir à Paris. Coucou. Voilà. On va partir à Paris. Voilà, tout à fait. Je vais vous montrer Kam Kam. On est tous les quatre ensemble. On va partir à Paris pour un petit événement. Ça s'appelle la journée presse. On va rencontrer des youtubeurs. Ben, vous les avez vus sur la miniature. On va voir Lily Rose. Il y aura Kélia. Peut-être qu'il y en aura d'autres, des youtubeurs. Je ne sais pas encore. On verra bien. Et voilà, on va vlogger toute cette journée-là. Et voilà. Hein. Là, on est au niveau de Reims. Sur l'autoroute, on vient de s'arrêter. Les filles mangent un petit peu. Et voilà, dans 1h30, en principe, environ, on devrait être à Paris. Là, c'est quoi? C'est 9h30, je crois. Oui. Presque 10h. Ouais, on devrait arriver vers 11h, 11h30. Plus vers 11h30. Enfin, voilà. Bon, allez. C'est parti, les amis. Ça va, papa? Ça va. Bientôt arrivé dans 15-20 minutes. Et oui. On va d'abord rejoindre Esteban et Lily Rose et Papa Pink. Et voilà. Et après, on va voir Kélia et on verra qui c'est qu'on verra. Il y aura aussi Maïlana. Maïlana avec sa maman. Et voilà. Moi aussi j'aimerais bien. Il y a Aurélie, la maman de Maïlia. Maïlia est maman d'amour. Ouais, maman elle aimerait bien qu'il y ait Aurélie. Je sais pas si elle sera là. J'espère. Avec l'école et tout, je sais pas. Elle habite à Marseille, c'est loin. Bah oui, je la suis avant qu'il a la chaîne des enfants. Bon voilà les amis, on est à Paris les amis. On vient d'arriver. On s'est carré un petit peu loin. Voilà, on est à 15 minutes de marche. Donc voilà, il y a déjà Esteban et Lily Rose et Papa Pink qui nous attendent devant la pyramide du Louvre. Voilà, donc là on est sur une place. Je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas où on est exactement. Je connais pas très bien Paris. Donc voilà, Kam Kam qui court après les pigeons. Oh, voilà les amis, on arrive à la pyramide du Louvre, elle est juste derrière cette petite porte là-bas. Et voilà, et là, il doit y avoir Lily Rose et sa famille juste là. C'est la première fois qu'on vient. Je suis jamais venu ici. C'est plutôt très très grand et plutôt joli. Bon voilà les amis, on est arrivé à la pyramide du Louvre. Là voilà. La grande pyramide, regardez le bâtiment. Bon, désolé, là c'est à contre-jour. Mais c'est vraiment immense, c'est vraiment très très joli. Hein. Regardez là. Chut. C'est grand, c'est beau. Hein. Bon, maintenant les amis, il n'y a plus qu'à trouver Esteban et Lily Rose. Mais la place elle est tellement grande que je ne les ai pas vus. Je ne sais pas où ils sont encore. Hein. Et voilà. Ça va, maman? Oui. Maman, elle cherche des WC pour Camilla parce qu'elle a envie de faire pipi. Voilà. J'ai vu Esteban et Lily Rose. Et Massilia part en courant. Ils sont tous là-bas. Regardez Kam Kam aussi. Elle suit Massilia. Bon, les voilà. Les voilà. Ils sont là. Voilà Papa Pink aussi. Super Nintendo le t-shirt. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Hein. Enfin, ouais, on a enfin trouvé parce que c'est garé un petit peu loin. Alors, regardez les amis, tout au fond là-bas, la petite tour Eiffel. La tour Eiffel. Là, il y a un petit restaurant. Là où on a l'événement, c'est juste derrière, à l'intérieur, là-dedans, là. Et voilà, et là, il y a tout le reste du Louvre. Franchement, c'est immense. Et c'est vraiment très, très joli. Mettez en commentaire la longueur de la tour Eiffel. La longueur de la tour Eiffel en commentaire. Ah, il y en a, ils vont regarder sur Google, c'est des tricheurs. Bah les amis, on est au McDo, on va manger McDo. Ouais. Voilà, on a fait quelques petites scènes pour de futurs petits scénarios sur la chaîne de Pink Lily Vidéo. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, ben, vous la connaissez. Hein. Et sur la nôtre aussi. Hein. Voilà. Hein. Bah allez, bon appétit tout le monde. Bon appétit. Bon appétit. Allez, c'est parti les amis. Attention Camilla, fais attention là. Hop.
Hop, voilà, bien joué. Allez, c'est parti les amis, c'est tout au bout là-bas. Le petit événement, journée presse. Donc voilà. Hein. Ouais. T'es contente Lily Rose? Oui. Oui. Massement, c'est la dernière, là-bas encore dans les escaliers. Ah ouais, regardez. C'est le Louvre avec la pyramide tout au fond là-bas. Une reconstitution en maquette. Ah, ouais. Allez, c'est parti, Mosmos. C'est parti. C'est parti. Bon, voilà, les amis. On rentre là, la journée presse. On est à l'entrée. Donc, voilà, on va vous faire découvrir un petit peu ce qu'il y a. Toutes les nouveautés pour Noël. Tout ça, c'est tout un truc entre influenceurs et les marques pour nous présenter toutes les nouveautés des jouets de Noël, des jeux, etc. etc. Donc voilà. Camélia dit, ah, il y a un Playmobil. Journée presse pour se protéger et protéger les autres. Respectons les gestes barrières. Regardez avec le beau petit Playmobil. Là aussi, il y en a un autre, la cavalière. Oh. Et là, on doit s'inscrire à l'accueil, enfin, qui vérifie qu'on soit bien inscrit, qu'on participe bien à l'événement, ouais, qu'on est bien inscrit, qu'on ne s'incruste pas. Ouais, donc voilà les amis, chacun a sa petite carte. Regardez, même Camélia a sa carte avec le nom et le prénom. Et voilà, et après on a un petit carnet, journée presse, etc. Et voilà, et ce carnet là, moi je vais m'en servir pour taper Lily Rose comme ça, parce qu'elle fait que des bêtises. Elle fait que des bêtises. Non, rigole les amis. Là les amis, on est dans le stand de VTech. Bon, c'est plus pour l'âge de Camélia, tout ça. Donc voilà les petites nouveautés. Voilà, c'est VTech Baby. Et là les amis, regardez le château, c'est les nouveautés Playmobil. Regardez comme c'est beau. On va vous montrer un petit peu les nouveautés. Donc ça doit être à mon avis le calendrier de l'Avent. Ouais, c'est les différents calendriers de l'Avent. Donc celui-là il est pas mal, hein, les animaux de la ferme. Il y a le prix. Là c'est Playmobil, le Playmobil pour les plus petits, les plus gros. Là c'est Playmobil avec les chevaliers, avec le petit dragon. Ouais, on dirait un peu drac au feu, hein? Et ça c'est la nouveauté les amis, ah, regarde, un collègue à Vampirus. Voilà, c'est Scooby-Doo, la maison hantée, franchement elle est pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal, ils ont des... de toute façon c'est beau Playmobil, regardez, avec le fantôme. Là on est sur un stand les amis, c'est Osmo, apprendre en jouant, c'est une nouveauté qui va sortir le 18 septembre et Massilia fait un test et essaye ce jeu là, elle doit reproduire la figure qu'il y a là à l'aide d'un socle et de ceci qu'il y a sur la caméra, elle doit reproduire exactement ce qu'il y a sur la tablette, donc c'est éducatif et intuitif, donc voilà. La Mosmos, elle essaye un petit robot. Il est trop beau. Oh là là, regardez qui c'est qui est là. C'est Just Kélia, ça va? Oui, ça va. Ça va. Montre-nous tes belles chaussures. Chaussures qu'elle a eu à son anniversaire, chaussures personnalisées, il y a écrit Kélia. Mais elles sont belles, hein, elles sont magnifiques. Hein. Elles te plaisent? Oui, elles sont trop belles. Ouais, elles sont trop belles. Oh, des chaussures aussi personnalisées. Là c'est Aloena, ça va? De la chaîne Aloena Chat Family. Et là derrière, qui joue avec cette petite voiture, c'est Mailana. Sur la chaîne Mailana, elle a aussi une chaîne YouTube. Donc voilà.
Et là, elle, vous la connaissez, elle, bon, elle, on vous la présente plus. Hein. Ouais, celle-là, on l'a assez vue. Hein. Allez, part de là, on t'a assez vue. Regardez les amis, ça c'est une petite nouveauté. Un genre de petit, d'une petite trottinette qu'on pousse. Eh, c'est pas mal. Hein. C'est le papa qui pousse l'enfant. Et c'est vraiment pas mal du tout. Hein. Le papa qui pousse l'enfant. Ah, j'ai dit le papa. Ah oui. Ouais, bon. Ouais. Respect, oh. Au moins, ils connaissent la vérité. Quelle vérité? Non, je rigole. Non, c'est la maman, excusez-moi. Ben, des fois, j'appelle Massilia Camilia ou Camilia Massilia. En tout cas, c'est pas mal, les amis. Eh, c'est pas mal, hein. Regardez, c'est comme ça en fait. Pour un monde qui roule, Glober, Go Up, Deluxe. Et regardez, là il y a un autre modèle avec une autre couleur. Ah, il bouge sa queue, regardez. Esteban, il a bien aimé ça, il le veut pour Noël. Ouais, je le veux. Il le veut pour Noël, ouais. C'est quoi, Bella Blue? C'est la marque Gypsy Toys. Ah, Lika Bella. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça, c'est pour les plus petits, hein. C'est des peluches. Ça fait un peu penser aux X-Men. Ouais. Ouais, c'est un peu pareil. Ça pour Noël? Masma, elle me dit, je veux ça pour Noël. Tu veux quoi? Ça ou la licorne qui tourne comme ça, là? Ah, c'est vrai que dans la chambre, ça ferait, ça serait beau, hein. Elle est trop belle, hein. Hein? Elle est magnifique, hein. Ouais. Glitteriz pop. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, les amis. C'est vrai que c'est pas mal du tout. Elle est plutôt jolie. Donc voilà, on est sur un stand, il y a plusieurs jeux. Voilà, ça c'est un nouveau jeu aussi. Le Kelia, Kelia Toys. Non, tu peux jouer. On rigole, les amis. Non, t'es un smiley. Oui, mais non. Ou un iPhone 11. Un iPhone 11. Là, on est dans le stand avec les veilleuses. Et sincèrement, elles sont super jolies pour les chambres, même pour une chambre pour Massilia, comme décor, le petit château de princesse, là, il est beau, hein, Mas? Regarde le rose là-bas, là. C'est plutôt joli. Et vas-y, avance, Mas, mets-toi devant le château rose pour qu'on voit. La veilleuse, vous avez vu, elle est plus grosse que la tête de Massilia, donc elle est quand même d'une taille assez grosse. Ouais, c'est plutôt sympa. Un cheval qui marche dans l'eau? Ouais. Ah, c'est la reine des neiges? Ouais. Et regardez, le cheval il marche dans l'eau. Ah, tu peux prendre le bain avec. Ouais, moi non plus je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Alors moi je l'aurais mis hors de l'eau. Bon les amis, là on est dans le petit coin des princesses. Regardez ça, c'est un puzzle les amis. Puzzle 3D. Ouais. Et là, on est dans l'univers de Elsa, de Anna. Regardez la petite enceinte avec le petit micro. C'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal du tout. Le déguisement. Ah, Camilla, faut pas toucher la dame, elle a dit, d'accord. Excusez-moi. Et là, il y a le grand château de la Reine des Neiges. Camilla, faut pas toucher. C'est Elsa. À cause du virus, ma chérie, faut pas toucher. Oh, elle est triste, Camilla, parce que bon, elle peut pas toucher, la pauvre. Elle est pas mal. Je le veux. Maman, elle le veut. Bon les amis, on est sortis de cette petite après-midi, de cette petite journée presse. Il y avait beaucoup moins de monde que les années précédentes apparemment, ben, dû au Covid, etc. Et voilà, là on est ressorti, on est de nouveau au niveau du musée de Louvre. Et voilà, là on attend Pink Lily Vidéo pour se dire bye bye. Et voilà, d'ailleurs il y a Lily Rose qui arrive. Et voilà, nous allons rentrer, hein.
Enfin, on va d'abord manger à Paris. Là, il y a Esteban. On va d'abord manger à Paris, etc. Et partir quand il y aura un petit peu moins de monde sur la route. Là, c'est 17h et quelques. Donc, nous, on partira plus sur les coups de 20h, etc. On va manger sur Paris. Après, on rentrera à la maison. Donc, voilà. Bon voilà les amis, on vient de finir de manger, etc. On est dans la voiture là, on rentre à la maison, on est encore à Paris, on a 3 heures de route. Donc voilà, je pense que les petites vont dormir. C'est 20h, non on est déjà à Paris comme. Voilà. Donc on espère que cette petite vidéo en tout cas vous aura plu, ce petit vlog vous aura plu. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye, ciao ciao l'équipe.